Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Clash Royale où je vais vous montrer l'un des decks du moment. Et là on peut voir qu'on est sur BlueStacks. Alors qu'est-ce que c'est que BlueStacks? C'est un émulateur Android disponible sur PC et sur Mac. C'est gratuit, le lien est dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez le tester, n'hésitez pas. Et c'est très pratique quand on a fait un lancer de tablette après avoir perdu une partie et qu'elle ne fonctionne plus. Alors rendez-vous sur BlueStacks et on démarre Clash Royale. Alors oui, c'est un petit peu la dèche, hein. Il est temps que je me remette à farmer les coffres, mais c'est pas le sujet principal. Le principal, c'est de vous montrer un deck du top mondial, ouais oui, c'est un deck du top mondial, avec la machine volante, parce que je vais vous montrer une des nouvelles cartes du moment, et aussi l'Arc-X pour foutre la haine à l'adversaire. C'est toujours sympa d'avoir un petit Arc-X débarqué comme ça et abattre une tour. Alors, je vais vous montrer, il y a quelques combos bien sympas à faire avec ce deck. Et on est parti, ici, dans les défis classiques, hein, c'est le mieux, hein. Si vous voulez tester un deck, vous prenez un défi classique, on y va, et on voit s'il fonctionne ou pas. Et ici, on va attaquer la police. On attaque la police. Alors, la police, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On va attendre qu'il réagisse, parce qu'on n'a pas en jeu de malade. On n'a pas en jeu de malade, on pourrait très bien mettre la voleuse au début. S'il réagit pas, ben il réagit pas, on met la voleuse au début. Alors oui, il a réagi, là on peut mettre une petite Tesla. On va mettre une petite Tesla qui va empêcher les esprits de feu d'attaquer notre tour. Et... Ah ouais, j'hésitais. Il a envoyé la sauce, et nous on va pouvoir contrer. Là on est pas mal. Le petit combo les amis, c'est Golem de glace avec la machine volante. Le premier combo est tombé. Ah ouais, ici il a quand même gaspillé pas mal d'élixir. Notre machine volante tient bon. Et là on va pouvoir mettre l'Arc-X. On va faire mal, on va le saouler un petit peu. Voilà. Et on va mettre les esprits de feu là, parce que je sens qu'il va continuer. Oui, on fait mal à la tour, c'est bien. On est bien parti. On va mettre le petit gobelin sabacane de l'autre côté. Oh, c'était même pas nécessaire. En fait, ça servait à rien. La déco. Je me suis dit que la Valkyrie elle a quand même être bien en vie, mais en fait non. Et là on a fait mal, hein. On a quasi pris une tour, il reste plus que 820 points de vie. Et il recommence. On va remettre encore une petite Tesla. On met Golem de glace pour... Voilà, pour, parce que s'il y avait beaucoup, hein, il y avait les gargouilles et les esprits de feu tout simplement. Et on attend, qu'est-ce qu'on va faire? Et je sens qu'il va de nouveau réattaquer. On est super bien. On a la petite Tesla. On va attendre un petit peu là. On peut mettre des squelettes s'il veut, si ça lui fait plaisir. Voilà, une petite rousse. Ah, même petite rousse. On va tout doucement temporiser le jeu. Récupérer à fond d'élixir. Et là, on est bien. Hop. On va se mettre ça. Et là, ça va être chaud, les amis, parce qu'en plus, il a mis le cimetière. Il va falloir attaquer à fond. Oui, regardez, l'Arc-X tient bon. Alors, j'ai pas réagi assez rapidement, parce que j'aurais pu un petit peu mieux faire le push. La contre-attaque aurait pu être beaucoup plus violente. Là, ça n'a pas été le cas, mais regardez, on a quand même fait très mal. On est bien, on a fait mal aux deux tours, hein, aux deux tours, comme dans le film. Et voilà, on défend à mort notre petit Arc-X, notre objet le plus précieux qu'il y a sur Terre. Et oui. Et là je pense qu'on va y arriver. Ah, la machine volante, est-ce que c'est la machine volante qui va finir le game? Ah non, il reste encore 40 points de vie. Alors, il y a le petit défaut de ce deck, c'est qu'on n'a pas de sort pour achever une tour, il va falloir l'achever nous-mêmes. Allez, jusqu'au bout. Allez, c'est la guerre. Oh, regardez-moi ça, il a mis son cimetière parce qu'il ne sait plus quoi faire. On va mettre l'Arc-X de l'autre côté. On va le mettre en PLS jusqu'au bout. Il lâche pas l'affaire, mais nous non plus. Il va commencer à être à court d'élixir. Sa défense fond, les amis, regardez à droite. Et oui, c'est la tour de droite qui va tomber. Je pensais que c'était celle de gauche, mais non, c'est celle de droite. Et c'est la victoire. On va quand même lui dire super combat. Il s'est quand même bien défendu. Mais hein, on a été meilleur que lui. Alors, ah, il rage. Quand il rage, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on réplique. Hein. On réplique, les amis. C'est comme ça. C'est la tradition sur Clash Royale. Alors, oui, c'est un deck pour faire rage l'adversaire. C'est clairement ça.
Et ça fait du bien de temps en temps, hein, je dis pas qu'il... Hein, ouais, faut... Allez, hein, on va quand même pas dire qu'il faut trop faut se moquer, mais de temps en temps, hein, qui ne l'a jamais fait, qui ne l'a jamais fait. Allez, c'est reparti pour un deuxième gameplay, parce que je vais quand même vous montrer un deuxième gameplay avec ce deck. Alors si vous voulez attaquer à fond, allez, dès le début, on place l'Arkix, on y va, on met la voleuse devant pour défendre, en vert, on va attaquer à fond. Oh, il avait le ballon. Merde. chef, qu'est-ce qu'on fait? Il a mis le ballon. Vite, le gobelin Sarbacane. Alors ici, on va faire gagner un voyage à notre petit chevalier. Allez, hop, t'as gagné un petit voyage. C'est bien pratique ça. Et on va mettre, bien sûr, la machine volante quand il va revenir, voilà. Et regardez, je l'ai mis à gauche. Comme ça, la machine volante va aller à gauche. On va encaisser un petit peu les dégâts, mais c'est pas grave. On a fait beaucoup de dégâts à la tour de gauche. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, là-bas. Ça va, on a eu le sorcier sans trop de difficultés. J'ai mis les esprits de feu. Ils ont quand même tapé la tour de droite. Là, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Là, on est bien. On est très, très bien. On va l'obliger à défendre à gauche parce que c'est notre tour de droite qui est plus endommagé. Donc, on va l'obliger à réagir face à notre voleuse. Et il réagit pas. Ok. Merci du cadeau, merci. Je pense qu'il a laissé tomber le jeu. On va tester. On remet encore un Arkix. Là, j'ai pas de montre, mais je fais quoi? Je fais tout comme. Bah, c'est bien ça. Ça fait plaisir ça. Ben, on y va. Bah, écoutez, voilà, c'est comme ça. Hein. Il en a eu marre. Il s'est dit non, je gagnerai pas. C'est vrai qu'on était beaucoup plus fort que lui. Hein. Enfin, jouer. Enfin, oui. Alors, ça mérite en 3 couronnes et ça mérite aussi qu'on fasse un troisième gameplay. On va se faire un petit troisième gameplay quand même pour vous présenter le tech. Allez, on va espérer que le troisième, hein, il abandonne pas, qu'il se donne à fond jusqu'au bout. Et comme ça, on fera une superbe vidéo sur un superbe deck. Alors, j'espère que pour l'instant ça vous plaît. N'oubliez pas, bien sûr, je l'ai pas encore dit, mais mettre le petit pouce vers le haut si ça vous plaît. Je vous rappelle aussi qu'on est sur BlueStacks. BlueStacks, je joue avec la souris, donc soyez un petit peu indulgents. Tout le monde a l'habitude de jouer, hein, sur tablette et smartphone avec son fameux pouce, hein, pour déplacer les cartes. Et là, il faut s'habituer à jouer avec la souris. Alors, ça prend un certain temps, mais la souris, c'est aussi agréable. Hein, et en plus, ça permet de jouer sur PC. Et on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente encore une fois l'Arkix? Est-ce qu'on tente le diable? On tire le diable par la queue et on met la voleuse devant? Oui, hein. Allez, on y va. Hein. On se fait plaisir. Hein. Et là, on va mettre le petit gobelin Sarbacane parce qu'il a la gargouille. Allez, petit gobelin! Faites-moi cette gargouille de misère! Allez! Mais on est plutôt pas mal. On a fait des dégâts. Et il pleure. Je compatis. Ah, je peux pas m'en empêcher. Je suis désolé, je peux pas m'en empêcher. On va faire un petit combo. Ouh, il a l'Arkix aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non! Là, ça fait mal aux fesses. J'ai voulu mettre mon golem de glace, mais j'ai attendu trop longtemps. Et là c'est la PLS, les amis. Je ramasse. Et ça fait mal. Là, ça a fait très mal. On a aussi subi pas mal de dégâts. On va mettre. Il y a la gargouille qui me gêne. Là, je vais attendre. Eh, hey, mais l'Arkix, moi aussi, hein, il fait. Qu'est-ce que tu crois, hein? Tu veux l'Arkix, c'est moi aussi, hein? Ouh, la roquette. Ouh, là, c'est pas cool, ça. Là, c'est pas cool, mon ami. Voleuse, on va lui mettre la pression. Là, j'ai mon golem de glace, cette fois-ci, je le mettrai à temps. Et je ne vais pas encaisser autant de dégâts parce que là, ça fait mal. Faut l'avouer, hein, c'est un bon adversaire. On a voulu un bon adversaire, et bon, on l'a eu, mon kiki. Dommage la petite fameuse bûche. Je dois retenir qu'il a une bûche. On met des esprits de feu devant. Comme ça, le golem de glace n'aurait pas servi à rien et les esprits de feu vont faire mal. Ou pas. Ah, il m'énerve. Victor, tu commences à me saouler. Bon, c'est comme ça, hein, c'est la règle du jeu. Ou machine volante. Ah, pétez-moi ces partétards Kix de malheur. Là il va rejouer Rocket. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On y va. On tente le push à gauche. Bah oui. Ah, on y va. Il faut rien lâcher. Voleuse. On va essayer de protéger au mieux. Ah, c'est dommage. La machine volante, elle est à découvert.
Notre machine volante est à découvert. Ici, on va mettre Golem de glace, on va mettre Arc-X, on va remettre Gobelin Sarbacane. Ah là, ça va être compliqué. Ah là là, notre ami Victor défend très très bien. Et quand il faut Sabo vaincu, il faut Sabo vaincu. Ici, bah, ce ne sera pas la victoire. Ah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et il me suit. Oh, il me s'énerve. Ah, cette fois-ci, c'est moi qui rage. Mais bon, c'est comme ça. C'est un peu la règle du jeu sur Clash Royale. J'espère en tout cas que vous avez vu comment utiliser ce deck. On peut pas gagner tout le temps. Hein, et voilà, je suis pas non plus le meilleur joueur au monde. C'est comme ça. Ouais, il faut avouer sa défaite. Même si, franchement, je rage un petit peu quand même pour cette fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris plaisir à voir cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. De vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et comme à chaque fois, ben, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.